Salut, salut, nouvelle vidéo. Là c'est pour un changement de véhicule. La 25, ça y est, elle est en fin de vie. Elle est prête à partir au repos éternel, on va dire. Bien mérité, il va être temps. Donc voilà. Pour la 25, c'est une histoire qui se termine. Sachant que bon, elle commençait à vraiment faiblir. Problème de pompe à injection Bosch notamment qui fuyait, enfin qui fuit tout court. Donc voilà, il va être temps qu'elle aille à la retraite. Donc voilà pour la 25, donc fini fini. Et donc nouveau venu, voilà, nouvelle maison pour le coup. Et donc c'est un Master 3 de 2012 en DCI 125 que j'ai acheté hier. Ça fait même pas une journée que je l'ai, tout juste. Pour l'instant, j'ai fait gros ménage, gros rangement. J'ai transféré toutes les affaires de la 25 dans la nouvelle maison. Voilà. Bon, dans l'ensemble, il est propre. Il y a forcément quelques trucs à revoir, mais rien de bien méchant. C'est plus de l'esthétique qu'autre chose. Non, sinon, très bon véhicule, hein. Bon, ça fera l'objet d'autres vidéos par la suite, hein, sachant que bon, je commence à peine à le découvrir. Je suis encore loin d'avoir tout vu. Mais non, sinon, pour les premières impressions, très bon véhicule. Plutôt confortable pour un 3 tonnes 5, enfin 3 tonnes 3 exactement. C'est un F3003. Non, ouais, ça va. Franchement, j'ai vu pire, notamment Sprinter qui est beaucoup moins confortable. Ça va pour un VU, ça reste honnête, surtout qu'il est à vide, donc forcément le châssis est un peu plus tape-cul quoi. Non, bien, c'est un confort, donc j'ai le GPS, j'ai le régulateur limiteur, bon j'ai un tas de choses quoi, donc c'est bien. La Cédric j'aime bien, qui est sympa. Et a priori enfin les modèles de 2011 n'avaient pas le rouge et bleu comme ça. A priori ça sera à partir de 2012 qu'ils ont décidé de faire cette Cédric, qui est bien sympa pour le coup, j'aime bien. Puis bon bah voilà, hein, comme habitué chez Renault, c'est pour ça aussi que je voulais idéalement un master, c'est que bon bah gavé de rangement, de gadgets qui sont bien utiles mine de rien, plein de lumière, j'ai trois prises 12 volts, deux dans l'habitacle et un à l'arrière dans la caisse, boîte 6 normal, hein. Clim bien entendu, c'est mieux. Et puis voilà quoi. Donc voilà pour le plus gros, on va dire. Général, et après je ferai des essais du coup, bah routier comme d'hab, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, sinon pour la partie arrière, bah pour l'instant c'est juste des casiers que j'ai gardé. Coup de bol qu'il y avait ça, justement. Ça me permet de ranger toutes mes affaires dans un premier temps, sachant que à terme il sera aménagé, bon bah aménagé comme il faut quoi. Mais pour l'instant, il faut de budget, donc ça sera pour plus tard, pas pour tout de suite, ça c'est sûr. Pour l'instant, ça sera la bonne franquette avec les moyens du bord. Sachant que de passer de la 25 à ça, il n'y a pas photo, c'est 100 fois mieux. J'ai plus d'air, plus de volume, je me sens un peu moins empressé des fois. C'est beaucoup mieux. Je peux dormir à plat, c'est chouette. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos sur le master du coup. Allez, salut les copains, à plus tard.